autour des poteaux. C'est tout simplement un repère, tu vois, il y a environ, avec le bord de la route, il y a un mètre, tu vois, bon, à part là. Mais je veux dire, comme ça, le mec qui passe avec son chasse-neige, il sait qu'il y a le, que le bord de la route, c'est un mètre en extérieur, c'est-à-dire ici. Et surtout, tu as vu, chaque fois qu'ils mettent ces poteaux, c'est quand il y a aussi des ponts. Tu vois, bon, toi là, le poteau il a été cassé là, ouais. Mais tu vois, c'est quand il y a des pierres, ouais. Ça permet aussi d'éviter qu'il se rapproche trop avec sa lame du chasse-neige et puis que ça casse le que ça casse la lame, tu vois. La montée. Sur la route, mais bon, elle tient plus maintenant. Là, on est à 2 degrés. Ça va. Serré, c'est pas grave, du moment que la neige elle tient pas sur la piste, c'est-à-dire qu'elle tient pas au milieu là où il y a les roues qui passent, c'est bon. Passer, il s'est dit, attends, on va ressortir le brouillard un peu, juste pour lui casser les pieds. Wesh la famille, wesh la sister, elle a mis la capuche. Wesh, wesh. Wesh, wesh la famille. Do
tous massaux. Non, mais tu vois, t'as vu, c'est... ça n'a rien à voir que de, par rapport à la dernière fois à Loch Emden. Ouais. Loch Emden, c'était la neige de l'hiver, elle était congelée et tout. La glace. Ah ouais, mais c'est ça. Ça, c'est le dernier col, c'est le plus haut celui-là. Il y a combien? 2006 bientôt. C'est qu'il y a des virages dangereux. Oui, mais tous les virages, ils sont dangereux. Ici, c'est des virages en épingle. Non, ici, ce qu'il faut faire attention, mais bon, c'est surtout quand il commence à faire chaud. Avec le soleil, c'est les cailloux qui se décrochent. Madame le copilote, altimètre, combien? 2634. Ça monte. Oui, non, mais celui-là, on arrive à 3000. Hein. Beau, hein? Combien d'altimètres? 2730. On est bientôt au sommet.
sommet. Là. Si je me souviens bien, il y a la piste, la route, elle arrive juste aux antennes. Blanc de chez Blanc. Hein? Blanc de chez Blanc. Ouais, c'est du blanc de blanc, comme le champagne. C'est du blanc de blanc. La mousse. Non, c'est du blanc de blanc. Du champagne blanc de blanc. Ça monte moins que le premier col là, il y a plus des grands bouts droits avec des épingles, alors que l'autre il montait plus rapidement. On est à combien là? Là, 2804. Ouais, là, donc c'était l'autre le plus haut. Mais il y en a encore un troisième. Mais normalement, il y avait des panneaux. Il y a des panneaux, ils t'indiquent Tizi, machin, là, le nom du col. Ouais, là, on est en phase descente là. Je pense que c'est ici que le camion il est parti, tu vois. Oui. Et regarde, c'est là que le camion il est parti. Oui, ça se voit. Que le type, les gendarmes, ils disaient qu'il y avait un camion bloqué sur la route. C'est là qu'il est parti dans le décor. Oui. Mais bon, ils ont réussi à le sortir, là, ça va. Attaque la descente. Alors regarde, il y a une descente d'un côté, puis regarde comme ça remonte de l'autre. C'est-à-dire qu'on va repartir derrière cette montagne de l'autre côté. Mais c'est beau, hein? Attends, je m'arrête un peu, chérie. Ça te fait.